Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, que j'ai intitulé Sobrement Vendre du vent. Alors, que fait tout bon politique dans la tourmente? Donc on peut parler de Macron là, et eh ben c'est simple, il agite des hochets, et au nez du bon peuple, avachi devant son poste de TV, qui gobe tout ce qu'on lui dit. C'est extraordinaire. Je vous donne juste un petit exemple en passant parce qu'il est d'actualité. Le Covid c'est reparti, on n'en parle pas, tout va bien. Voilà, c'est l'exemple type, puisqu'il y a, rappelez-vous, il y a trois ans, euh, nous étions en guerre. Hein. Ça, ça coûtait un pognon de dingue, quoi qu'il en coûte, etc. Alors, Macron, donc, vend du vent. C'est un spécialiste, hein. je crois que c'est le meilleur. Il faut, faut reconnaître quand même quand on a affaire à un maître. Lui, c'est le meilleur, meilleur vendeur de vent. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il a des hochets, qu'il sort, qu'il agite. Il y en a deux qui marchent bien, franchement, qui fonctionnent bien. Alors, le premier, évidemment, c'est la réforme de la Constitution. Vous savez, c'est un peu comme dans une boîte de Pandore, on sort des trucs. Euh, réforme de la Constitution qui n'intéresse pas grand monde. Et le second, lui, par contre... Un grand classique, celui-là, c'est les propositions de référendum que le peuple s'exprime. Alors, d'accord. Alors, il faut observer sur ces hochets que la réforme de la Constitution n'intéresse donc pas grand monde, comme je vous l'ai dit, à l'heure où l'insécurité explose en France. Les prix, pareil, ils explosent. Le pouvoir d'achat, du coup, il est cassé. Et ensuite la deuxième chose, le deuxième hochet, le classique, les référendums. alors là, c'est pas grave parce que, de toute façon, on ne respecte plus les résultats du référendum. on l'a vu en 2005. et, deuxièmement, on pose souvent des questions qui sont hors des sujets cités avant, c'est-à-dire je les reprends parce qu'ils sont importants. explosion de la violence. Euh, les prix qui s'envolent et le pouvoir d'achat qui est cassé. donc, on est là et ce qui est très intéressant avec ces gens-là, c'est que euh, c'est toujours que du baratin évidemment parce que on a un autre exemple, Macron nous annonce que d'ici à 10 ans, lui ne sera peut-être plus au pouvoir normalement. Il va créer 238 brigades de gendarmes. Ouah, c'est chouette, non Eh ben pas du tout parce que c'est faux. C'est du pipeau, c'est encore un petit coup de le baratin fonctionne bien, certes, mais quand même. Mandrake, Macron, le magicien, il le sait. Il a tout bouffé dans les caisses de l'État. Il n'y a plus un radis, il n'y a plus rien. Alors comment, expliquez-moi, comment il va créer 238 brigades de gendarmerie, à une moyenne même d'aller 10 gendarmes dans, la gendarme, dans chaque brigade, ça ferait 2380 postes, si je sais compter, alors qu'il n'y a plus un flèche. Il n'y a plus d'euros, il n'y a plus rien. On en est à emprunter de l'argent à des taux pas possibles pour rembourser seulement l'intérêt de la dette colossale que ce président nous a fait en quoi? Six ans. En six ans, il a bouffé la France. Alors c'est bien parce que euh, le pognon de Dinde, parce qu'on on en est là, euh, il faut savoir que dans la plupart des gendarmeries françaises aujourd'hui... Hein, sans avoir créé les, les futurs, euh, certaines interventions ne peuvent plus se faire parce que la voiture n'est même plus en état de rouler, où il n'y a plus de voiture du tout. C'est un truc inouï. Euh, je vais vous donner des exemples concrets. Dans certains endroits, il y a deux gendarmes pour je ne sais pas combien de milliers d'habitants qui sont donc dans un point donné, on va dire, euh, le point A. Je vais pas citer de ville, hein, je ne veux pas d'histoire. Et pour aller au point B, C, D, E, F jusqu'à Z, il leur faut tellement faire de kilomètres que de toute façon, ils n'ont pas l'essence. Donc, ils n'y vont plus. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête et tout... les voyous le savent. Alors, cette histoire-là de Macron, c'est l'exact reflet de notre société décadente où, en fait, il ne fait pas bon vivre ensemble. Parce qu'il y a un phénomène qui est classique dans toutes ces histoires, c'est qu'on est de mieux en mieux dans le pire. Alors quant à la droite, je fais un petit aparté là, pour la droite, à la droite qui n'a toujours rien appris parce qu'elle s'est coupée des réalités, parce qu'il faut voir, euh, vous pouvez vérifier, amusez-vous quand vous recevez des mails de ces gens-là, je ne dis pas de nom non plus, amusez-vous à leur répondre. Ben, eux, ils vous répondent jamais derrière, jamais, ils n'en ont rien à faire de ce que vous pouvez dire, ça ne les intéresse même pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont perdre les prochaines élections parce que comme ça ne les intéresse pas, nous non plus ça ne nous intéresse pas. Donc on a à la droite la plus bête du monde comme tout le monde le sait, mais ça c'est une notoriété publique, n'est-ce pas Et à droite, ils commettent systématiquement les mêmes erreurs. Vous allez voir, on va avoir des élections là dans quelques mois, vous allez voir, c'est toujours les mêmes erreurs. Hein euh, et on, on leur pose par exemple quand ils vont dans un débat. Face à sa face, on leur pose tout de suite des questions complètement inintéressantes pour que les gens s'en aillent du débat. C'est clair. Moi, le premier, j'arrête tout de suite. C'est pas, pas la peine. Ça m'intéresse pas de savoir euh, le problème de la natalité, du truc, de machin, quand on est euh, dans une société qui s'écroule. Hein D'ailleurs, le problème de la natalité, il faut en parler aussi, n'est pas innocent. Pourquoi on ne parle que de ça aujourd'hui Eh bien, pour justifier les migrants, tout simplement. Mais c'est tellement basique que je m'étonne que personne n'ait fait le, le rapprochement. C'est tellement évident, plus ça saute aux yeux, comme on dit. Donc ces gens-là, de droite, hein, ils vont se faire bananer, il n'y a pas d'autre mot dans des émissions à la con, et on les empêche finalement de parler de l'essentiel. Eux-mêmes, comme ça, ils n'en parlent pas, ça les arrange peut-être à les savoir. Et donc, euh, mon pronostic, du coup, est que la gauche a de la chance de vous avoir, la droite vous Perdrez les élections et ce pour les causes que j'ai toujours invoquées dans, 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 dans mes articles ou dans mes discours ou vidéos. Donc, après la Covid, hein, on dit la Covid, on dit pas l'Ukraine, le, le climat, voici la baisse de natalité dont on nous rabat les oreilles et qui permettra de justifier donc notre invasion migratoire, comme je l'ai dit avant. Et, euh, pourtant, on s'aperçoit que c'est désastreux, cette invasion migratoire. On s'aperçoit que la France est en train de perdre son âme, en train de perdre sa joie de vivre. On n'est plus en France quoi. bientôt. ça C'est dramatique. Euh, je serais curieux de connaître les statistiques euh, des agressions et autres violences, d'où elles proviennent, ces violences. Et là, on aurait une surprise un peu gênante. Bon, mais il ne faut pas en parler. Donc on continue, il n'y a pas de problème, on part, on part du principe de base, hein, c'est le principe de base de la politique, les gens vont être abreuvés et vont oublier, voilà c'est simple, ils vont oublier, à partir du moment où on a dit une connerie, c'est pas grave parce qu'ils vont l'oublier, immédiatement ou très peu de temps après. Alors, on nous bassine évidemment avec le réchauffement climatique, euh, on a eu tout ça, mais ce qui est très intéressant, c'est quand même de voir qu'il y a un truc amusant, c'est que pour le climat, on a, on a des statistiques depuis longtemps. Donc on pourrait constater, si on voulait, hein, si on, voulait on pourrait constater qu'il euh, a fait chaud. À certaines époques il a fait froid à certaines époques et qu'il n'y a rien de nouveau à l'ouest mais non c'est un sujet politique donc c'est comme ça c'est un peu comme avec les éoliennes là qu'on a mis dans la mer on va complètement déflorer la mer il y aura plus de poissons il y aura plus rien ça sera une catastrophe on le saura ça plus tard hein, parce que on, les catastrophes on les apprend après mais c'est pas gênant c'est pas gênant voilà donc je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver et c'est pas bon et je vous le dis comme d'habitude, on est plus que mal, on est même très très mal, et là je pense que je ne vois pas, comme dirait Soran, euh, d'amélioration en vue, et ça c'est bien dommage. Allez, merci donc toujours à ceux qui font l'effort de me suivre, de m'écouter, et surtout de partager, parce que nous les petits, on a du mal à se faire connaître hein, face aux mastodontes qui racontent toujours les mêmes conneries, et qui nous en fument surtout. Parce que là, là-dessus, ce sont des champions avec le roi Macron, donc, qui est au-dessus du lot. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.